C'est quoi ce château là? C'est un château de princesse peut-être. Salut à tous. Bonjour à tous. Je suis accompagné de Clem Station pour jouer à Sailor Moon, un jeu auquel on a déjà joué. On avait fait le test du jeu, mais on n'avait pas été très fort puisqu'on avait été battu et on n'avait pas réussi à finir le jeu. Aujourd'hui, un défi simple, finir ce putain de jeu. Parce que vous allez vous dire, attends, Sailor Moon, c'est pour les filles, c'est des petites princesses. Avec des pouvoirs magiques, vous faites quoi les gars? Vous êtes pédés ou quoi? Alors bon, j'ai pas trop le thème. Allez, tu choisis qui toi? Merde, je me rappelle plus qui je prends. Moi je suis player 1, toi t'es player 2? Bon, c'est bon. Moi j'ai choisi, c'est bon. Au point tu veux, on choisit. Ben, start. Start ou un bouton. Voilà. C'est simple. Bref, on est sur Super NES en 93. Pourquoi ce jeu-là? Parce que ce jeu, déjà, on l'a connu. Toi, tu dois avoir 3-4 ans. Même pas. T'étais vraiment petit, je crois que tu jouais même pas. Tu me regardais jouer en fait. Si, j'ai joué. Et bon, les petites fois où tu jouais, tu voyais que le premier niveau. Et puis après, ça te saoulait. Et puis c'était l'heure du biberon. Et voilà, Sailor Moon. C'était surtout l'heure du biberon, donc t'avais pas le temps de finir le jeu. Ouais. Bref. On va essayer de le finir. C'est vraiment le défi du jour. Donc vous allez vous dire là, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est Sailor Moon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des tours de magie. C'est le quartier latin, oui monsieur. On va faire des tours de magie, qu'est-ce qu'on va faire? Mais en fait non, c'est un beat them all, comme on dit dans le jargon. C'est pas un jeu de plateforme, c'est un jeu de combat. Et on va progresser en coopération, c'est ça qui nous avait plu. Alors là, ben, l'objectif c'est de perdre le moins de vie possible. Parce que arriver dans les derniers niveaux, mine de rien, ça devient un jeu très difficile. Donc les touches que je me rappelle, ça c'est ce qui. Il n'y a pas vraiment beaucoup de touches. Il y a trois touches et déplacements. Voilà. C'est ça. Et ce qui est assez un petit peu original, c'est qu'il y a une profondeur de champ. Une sorte de 3. Enfin, c'est pas de la 3D, mais. 3 étages. Tu peux monter. Voilà. Donc ça veut dire que si on n'est pas en face, hop, on peut pas taper. Faut toujours se mettre bien en face des ennemis qui sortent de l'écran. Ça c'est un petit peu chiant par contre, c'est le petit souci. Eh, tu fais pas frapper. Je le dis. Il y a 3 vies. Faut vraiment que je me rappelle des touches. Ouais, c'est ok. Les nanas. Vas-y, prends la vie. Carré, pop, pop, pop. Allez, toi, viens que je te chope, salope. Oh non! Non! Toi aussi. Et toi? Je me rappelle plus trop des touches. Ouh, attention, la sorcière. Je me suis enchaîné. Il y a l'ennemi qui est sorti du magasin. Les ennemis sont pas résistants et très peu dangereux, même s'ils font un peu de vie. Mais on va voir qu'au fur et à mesure, ça devient carrément impossible. On était qu'à l'avant-dernière zone, il restait une zone complète dans notre dernière vidéo, qui était au moins d'un an ou deux. Donc on s'est dit, on va le refaire avec ce défi. Et on va souvent faire comme ça de temps en temps des défis rétro. Vas-y. Là, tu voyais, j'étais pas sur la bonne ligne. Oh non, les sorcières! Ouh, je l'ai fait goûter la terre. Mais toi, il chauffe pas pareil, hein. C'est balancé, tout c'est. Ah, mais je peux balancer aussi, tu vois, regarde. Vous allez vous dire là, mais c'est simple, attends, vous vous foutez de qui? Vous allez voir, quand il va commencer à avoir des boss, des ennemis de plus en plus durs. Là, il n'y a aucune difficulté sur le parcours du. Le parcours, c'est que de la. Oh putain! Rien à éviter, ni. Quoi que ce soit pour une démo. Eh, en plus, tu te fais bien frapper. Hein. Donc, on a un petit pouvoir magique là. Hop. Hop, hop. Oh non! Oh non! La boule. Ça, c'est pas un boss. C'est un ennemi normal, mais qui est quand même solide. Lui, il est pas très solide, mais les fers, ils sont pas mal. Ah, surtout quand il fait ça là, on dirait Blanca. Là il faut défendre. Bon après c'est pas un jeu parfait, hein. Nous on s'amuse bien dessus. Il y a beaucoup de choses à redire sur ce jeu. Notamment cette fausse 3D. Qui peut parfois être embêtante, les ennemis. Bon ils sont pas très variés, ils sont pas très beaux non plus. Mais tu peux mettre des coups de tête, ça. Ah ouais, attends, tu peux choper et frapper. Hein. Je sais pas ça. Et quand même une bonne variété de prises. Oh non! Ils sont trois!
Oh oui, je les ai évités. Ah ouais, des coups de boule, alors là, je vais me régaler. Hein. Je vais me régaler. Oh non, fais gaffe, t'as plus beaucoup de vie. Ah mais ça gaspille quand tu tapes. Non. Je me suis fait bouffer là. J'ai plus beaucoup de vie. Oh, c'est chaud là. Là, c'est vraiment chaud. On attaque à portée. Faut pas les laisser sauter. Ouh. Et là, on attaque de loin. Avec le combo. Non, mais faut faire gaffe parce que quand on va arriver au boss, on aura pas assez de vie. Il y a un petit gâteau, je le prends. Je te protège, vas-y. Ne va pas en dehors. Ça va être tendu, là. Donc je vous disais, ça c'est le premier défi d'une longue série. Que toi t'es aussi un grand fan des jeux rétro. Notre prochain défi serait peut-être sur Street Fighter. Peut-être, on verra. Parce que Street Fighter, la dernière fois, j'avais fumé Blizzard, mais pas toi. Bon allez, je m'occupe de la voiture. Il faut casser la voiture. Là aussi, dans ce que je vous disais, on comprend pas. Pourquoi casser ce 4x4 qui est plus grand que Sailor Moon. Vite. Ils sont nombreux là. Heureusement qu'ils arrivent. Non. Bon, je vais t'aider. Voilà. Oh non, il y a la boule. Je chope, je vais mettre un petit pète. Fais gaffe. T'as plus beaucoup de vie, là t'es vraiment... Ouais. Là ça va être dur parce qu'on arrive dans une zone... Enfin, c'est la suite de la zone 1. Donc on sait pas, on est peut-être descendu dans les égouts. Y'a aucun rapport. Vas-y, prends la canette, tu vas te faire crever sinon. Parce que là y'a un gros monstre. Y'a un monstre avec un marteau. Ah. Ouh, il a mangé lui. Il a dit vachement. C'est... Ah, la canette ça récupère pas beaucoup par rapport au gâteau. Les horloges qui nous passent, ouais, les... c'est jamais la même heure. Les horloges qui gênent un petit peu. Horloge dans les égouts, avec de la lave derrière, on comprend tout. Et le sol qui est rose. Donc, et il y a des monstres et des jeunes filles. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de continuité. Il n'y a pas de début d'histoire de cinématique, on comprend pas pourquoi ces jeunes filles viennent sauver le monde. On sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais je suppose que les amateurs de Sailor Moon, ceux qui ont lu la manga, retrouveront l'univers. Ce jeu japonais. Avec une musique qui est un peu plus flippante, et ça trompe pas. Dans les anciens jeux, dès que la musique est comme ça, on sait que ça va être plus compliqué. Quand la musique est tranquille, tout va bien. Bon, pas trop mal pour l'instant. Quand la musique s'excite, il faut surtout pas que tu perdes de vie parce que le boss, il va nous en perdre quelques-unes. Il va me crever le boss et on voit x3 en haut, plus 3 vies. Putain, mais... C'est ça qui est assez chiant avec les ennemis, ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils font des feintes. Il a rien compris. On doit avancer. Hein. S'il y a de la vie, tu la prends. Vas-y, la sucette. Vite. Non ! Il y a le chat. Oh, ça a tout récupéré. Il y a le chat. Ah non. Vite, faut le taper. Il va se décaler après. J'arrive. Il saute dès qu'il tombe, il saute. Non. Oh l'enculé. Il m'a perdu toute la vie pratiquement. C'est Bakken. Ceux qui connaissent l'univers, c'est Bakken. Oh putain, mais il est vraiment fort. Hein. Non ! C'est quoi ce saut là ? Non, bien joué. Moi j'ai perdu ma première vie. Oh, je l'ai évité. Fais gaffe. Vous voyez qu'il avait une barre de vie quand même assez grande. Putain, mais comment il fait là ? Il m'a tué. Donc j'ai plus de vie moi aussi. C'est vrai, comment il fait? Dites-vous, c'est que le premier boss. Est-ce qu'il est guéri? Putain. Ouh, j'ai vraiment perdu beaucoup de vie là. Il va sauter. Ouh, son dos. Oh, les vertèbres. Bakken. Aïe. Eh ben, on a perdu une vie chacun sur ce boss. Attention, ce n'est que le premier d'une longue série. Niveau points, t'as été meilleur. Hein. Avec 22 000 points et moi seulement 5 009.
esprit où il y a Sailor Moon et Sailor Jupiter. Voilà, moi je suis Sailor Jupiter. Je suis la lune et Jupiter, après. Jupiter est plus grosse que la lune. Attention. Mmh. On sera au parc d'attractions. Donc voilà, nous prenons un parc d'attractions. Première phase. Il y a le bateau pirate qui bouge pas, donc il doit être bloqué. Il est en panne. Avec la grande roue qui avance pas non plus. Alors, faut quand même dire que le décor était pas mal, on est en 93. C'est bien, c'est quand même 93, c'est un jeu pas mal. Même si, oh putain non. Au jour d'aujourd'hui, un jeu comme ça, ça serait pas vendu. À moins d'être vraiment fan de la série. C'est clair que voilà. Sur le train, attention au train. C'était une vingtaine d'années. Il a écrasé l'ennemi. C'était une vingtaine d'années, mais non, on peut pas revenir. Hop. Ouh, il y a 20 ans, c'était quand même pas mal. Hein. Bah déjà, avec, on va voir le nombre de vues. Là, ça clignote, hein. On va dire, il y a des petits signes chinois. Il y a fait un effort aussi sur tous les personnages. Ah ouais, c'était pas mal. Que de niveau en niveau, ils changent de couleur, etc. Le décor, bon, ça reste classique. Putain, mais comment je perds autant de vies là? Mais c'est 2003D, c'était, je pense que c'était pile au moment où la 3D allait sortir. Et qu'ils avaient déjà trouvé. Ouais, la 3D arrive pas encore tout de suite. Mais c'est vrai que ça commence à... Ça commence à avoir des idées. Donc il y a la fille, si je la mets de face comme ça, si je la fais monter... Fais gaffe au lutin là. Le lutin enchanté peut-être. Fais gaffe, il attaque en dedans dehors. Bon. Vas-y, je te la renvoie. Je pète les vertèbres. Donc, toujours une première phase plutôt simple, même si des fois on se fait toucher. Et après on arrive au boss et là c'est compliqué. Hop, le panda qui passe avec le train, c'est pas mal ça. Tiens, mais à chaque fois on prend un coup avant de tuer un boss, avant de tuer un ennemi, je me prends un coup. Tu vois? Voilà, reste pas au bord de l'écran. Les ennemis en bord d'écran, c'est le pire. Parce qu'on peut pas, on est bloqué face à l'écran alors que les ennemis peuvent y passer. Vous voyez, hop là. Quand ils sont en dehors de l'écran, ils sont invincibles. Fais gaffe. Putain, salope. Bouffe là. Ah, t'as tué? Ah, la honte. Ah, t'es honteux là. Vas-y, tu t'en occupes. Mais le chat m'attend. Mais arrête tes conneries. Tu fais bouffer par une magicienne avec un fouet. Oh. Oh ce vol. Elle a volé de tout l'écran. Pour un simple coup de poing. Et une petite claque. Oh non. Ça va pas nous accueillir. Ah le train là. Quel idiot. Il faut vite de la vie là. On a bientôt perdu les 3 vies en 2 niveaux. Voilà, ça y est, moi j'ai perdu la mienne. Et je vais vous crever. Ah, ils sont pas mauvais, hein. En fait, il y a des moments où ils sont inévitables, les ennemis. La tactique, c'est vraiment de taper, de reculer, un petit peu comme les ennemis font. De taper, de reculer. Je suis roman. Mais non! Ah, j'ai perdu beaucoup de vie, le train qui m'a passé sur la gueule. Continue. Il est coincé, les ennemis. Là, prends pas tout de suite la vie. Le truc, c'est qu'on a que 3 continue pour finir le jeu. Reste pas à bord de l'écran. On a que 3 continue pour finir le jeu. T'en as déjà utilisé un, moi je suis pas loin d'en utiliser un aussi. Il me semble que les derniers niveaux, c'est pas du gâteau. Fais gaffe, laisse-la approcher. Encore. Attends, bouge pas. Elle a trop de vie, faut la choper dans un coin. On la chope et on l'amène contre le mur là. Fais gaffe. J'arrive à te choper un vol. Mais pas dans ce sens. Je suis trompé. Vas-y. Ma pauvre. Alors là, vas-y, on la coince. Ma pauvre Lucette, mon pauvre, je te donne. Voilà. Oh, fais gaffe. Pire cauchemar. Ça, c'est pareil. Tu vois, elle recule hors de l'écran, il faut pas la tuer déjà. Là, je l'envoie à Duken. Quand ils sont en dehors de l'écran, ils sont invincibles. On va te fouetter, voilà. Et recule en dehors de l'écran. Non. Ah, mais tu perds trop de vie sur les attaques. Ouais, mais frère, mais...
Oh non! La boule, hein. Allez, il t'a bouffé. Il veut tacler, il y a la turable. Allez. Ouh, allez, allez. Vas-y, on le fait bugger. On a dit qu'on allait descendre. Prochain niveau. Et là, je sais pas ce qui se passe. Pareil. Là, encore un délire de drogué, là, c'est bon aussi. Sur les suites de niveau, on comprend pas. Tout à l'heure, on était dans les égouts de lave. Et là, le parc, et ensuite, on est dans des gâteaux. Gâteaux géants. Mais on marche sur le carrelage, c'est assez bizarre, il y a des étoiles derrière. On peut même apercevoir des tomates, des. Je sais pas, moi. Des flans. Du chocolat. Des flambis. Vas-y, prends la vie parce que c'est un boulet. Des flans, des verres à moitié. Assez bizarre. On comprend pas la suite de ce niveau. Non! Faut vraiment rester chacun de son côté et pas se louper. Parce que là, il commence à avoir du monde. Et surtout pour le boss, ça va être compliqué. Hey, tu te fais bouffer par un mec comme ça! Il est de forme. Ils sont mauvais! Mais je suis pas patient. C'est la vidéo à faire des changements. Mais non, mais t'es pas patient. L'objectif, c'est finir le jeu. On a déjà fait le test et on est mort à l'avant-dernière zone. On a déjà eu game over. Donc maintenant qu'on y rejoue, avec l'expérience. Allez, il t'a retapé. Et allez. Et toute la vie, elle est pour toi. Non, on comprend aussi. Faut lui laisser approcher un peu, et mais pas trop. Parce qu'après, il frappe. Hop. La sorcière, elle est finie. Non, oh, je suis bien, pardon. Musique de merde, on peut le dire. Ouais. Fais gaffe, oh, pom pom, toi, mon pom. Il va prendre une session. Non! Eh, je me fais toucher à chaque fois. Eh, non, mais laisse-le avancer. Oh là là, ce que je lui ai fait. J'ai chopé, j'ai mis un coup de ça. Non, mais faut pas qu'il sorte de l'écran. Qu'il est en dehors de l'écran, ils sont invincibles. Voilà, il faut l'amener là, alors là, il est cuit. Il va partir de l'autre côté. Voilà. Il veut jouer, on va jouer. C'est de la vie, elle est pour moi. Et voilà, sorcière. Allez! Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh, allez! Chaud les gars. Ouh, il a fait mettre son marteau dans la gueule. Et là, on les enchaîne. Il faudrait jouer comme ça tout le temps. Il n'a pas pris un coup. Lui, contre le mur. Pareil, lui. Ils sont pensés que c'est encore les murs. Ils ne vont pas se cacher derrière leur écran. Fais gaffe, l'autre, il vient pas derrière. Voilà. Il y a un gros. Oh, bah, allez! Ça, c'est mal fait, tu le touches et. Le mec il pique quoi. Ça dégaspille trop de vie. Ouais, j'ai pas fait exprès de le faire. Oh, putain, on est suivi. Vas-y, on nous dit d'avancer. Je suis dans le bois. Ok. Ouais, mais on a plus beaucoup de vie, chacun le boss il va être dur là. Oh putain, t'as fait te faire tuer! Non! Il est fort, hein, je te dis. Hein. Je rigole, mais il est super fort. Il nous reste que deux continues. Donc, au deuxième niveau, il y en a cinq. Mais là, en plus, la meuf, la sorcière. Ah, fais gaffe. La sorcière, on l'a détruit. Envoie-les-moi, je les prends. Allez! Windon! Oh là là! Non, mais ça perd pas beaucoup de vie. Mais ça t'a qu'à porter, genre. Faut bien rester au milieu de l'écran. Putain! Je me tape à perdre une vie. Hein. Non, non, perds pas ta vie. Une vie, c'est très très cher. Mais imagine, là, imagine, voilà, ça va te remonter tout. Et voilà, ça fait une vie gagnée. Pratiquement une vie entière gagnée. On est au même niveau maintenant. Attention! Pas lui! Mais ah, mais tu vas avoir à chaque fois! Je vais me sauter dessus. Allez! Oh merde! Je pensais que tu l'avais tué, ça. C'était une boule à merde. Ah, il fait des tacles, hein!
il s'arrête pas. Ouais, je l'ai tué. Et la sorcière bientôt. Non. Fais gaffe. Oh, t'as perdu près de ta vie. Elle se téléporte, la salope. Mais elle est fait rien, ce truc. Ah, si, elle t'a bouffé là. Faut tuer eux là. Eux, tu sais quoi, on va les repousser au plus haut, mais la sorcière, je l'attends. Tiens, sorcière. Un peu au pied. Elle se téléporte. On perdra pas de. Elle a réapparu dans mes points. Putain, mais tu es mort. Mais elle est sur marteau, elle perd trop de vie. Elle perd la moitié de la vie dès qu'il tape. Putain. Quand vous disiez que c'était un jeu dur. Mais la sorcière n'est pas très forte, c'est juste les petits nerfs qui sont là. Elle est trop conne, elle réapparaît dans mes bras. Elle réapparaît dans mes bras. D'avoir réapparaît où je suis, je sais pas. Pourquoi elle balance les trucs là? Vas-y, on l'enchaîne. Mais c'est bon. Qu'elle devient invisible. Bon, mais c'est bon. Perds pas de vie. Elle réapparaît à chaque fois dans mes bras. Fais gaffe. Oh le con. Non. J'ai failli perdre toute ma vie à cause de cette salope. Je vais la démonter. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Oh là là, elle m'a fait un truc. Ah mais non, mais là, elle a cheaté là. Non mais elle a pris un coup de boule hein, et je l'ai jeté. Non, elle a cheaté en main, j'avais chopé. Moi je les calme les sorcières, je te dis. Elle a sorti, elle a réapparu derrière moi. Je vois pas les sorcières. Hein. Non mais là on a perdu trop de vie, on a fait les cons. Hein. Il reste 3 zones encore. Hein. Ouais. Ça va être très dur. On va attendre du. Il va y avoir un niveau, il va falloir être laxiste. Là faut perdre 0 niveau, 0 vie jusqu'au boss, faut se dire ça. Trop dur. 0 vie jusqu'au boss, de ce niveau, de cette zone. Là il devient une gaillard les types. Et on voit déjà que la parce barre. Y a une barre verte. La barre verte avant d'attaquer la barre rouge. Mais ça c'est intéressant les trucs là, si tu les balances sur les tapis roulants. Ah ouais? Ouais. Quoi? Ben, s'il vient là, ça peut l'empêcher de sortir de l'écran des fois. Mais là c'est pas sur celui-là. Putain, il m'attaque déjà. Bon, lui il est mort, ça c'est fait. J'ai plein d'ennemis à deux. C'est chaud, c'est au moins ils sont ramenés vers le centre. Bon, là, faut les enchaîner comme ça, voilà. Hop. Allez, vas-y, on approche. Boum. En fait, si tu le loupes une fois, t'es cuit. Ouais, faut le choper direct. Non, pas... quand ils sont plusieurs, faut pas choper. Faut juste taper. Oh, ils ont pas essayé sur. Là, laisse-les venir. Et dès qu'ils approchent, on tape. Parce que tu vois, s'il est pas sur la même ligne, on peut pas les toucher, mais eux ils peuvent te toucher, ça m'a fait. Sinon, ils vont attaquer tout, regarde. C'est de la vie, elle est pour toi. Laisse-les venir, ils vont sortir de l'écran. C'est pas fort, moi, je... Tu vois, lui, il va pas sortir de l'écran parce qu'il va être ramené par le tapis, je pense. Même pas. Allez, dégage. Il arrive. Allez! Dans ceux qui arrivent de la gauche, faut vraiment se les allumer. Laisse-les venir. Et boum! Tu les encercles comme ça. C'est pas con ça. Ouais, mais on peut perdre de la vie comme ça. C'est 4 niveaux, j'ai pas fait 4. Ça peut perdre de la vie comme ça. Vas-y. Fais gaffe à la boule. La boule, ils sont bien. Ah, il y a des. C'est vite. Hein. Je sais pas ce que c'est, ces bonhommes là. C'est une zombie. C'est des zombies, est-ce qu'ils sont bons? Moi je me rappelle de eux, ils sont gaillards. Ils sont surtout très lents. Oh non! Oh oui, eux ils sont gaillards. Tu m'étonnes. Parce que quand on tape à deux, c'est pas la même. Ah oui, ça commence à part vite. Ah, elle a pas beaucoup de vie là. Pour l'instant, on est au niveau continu et tout, on est pas mal, laisse, on la prend pas tout de suite. Chacun son côté. Ah, mais là, je sais que vous allez faire cette connerie. Tiens, j'ai été gêné par le tapis roulant.
J'ai pris la vie sans faire exprès, ils sont trop nombreux. Je les démonte, moi, je les dépouille. Ah, mais le tapis roulant, ça m'a trop gêné. Oulala. Là là. Claire, t'as plus beaucoup de vie, toi. T'as pas du taquet. Non, mais attends, je me suis fait attraper à quatre. Lui, il est gaillard depuis tout à l'heure, il est là. Putain, ah, le tapis roulant, ça me gêne trop. Au moment où j'ai voulu taper, il a bougé. Oh, je l'arrose. Là, il est cuit, là. C'est de la vie. Dans ce niveau, il y a pas mal de vie parce qu'il est quand même assez bien. C'est bien fait de changer un peu de montée. Donc. Même si ça arrive, parce que si on regarde les pieds des femmes, c'est juste. C'est un effet d'optique, ça ne monte pas du tout. Hein. Donc c'est de la force 3D. Là, c'est comme vous êtes. Oh oh! C'est pas mon point encore. Il y a des petits lags. Ça clignote. Ouh! Niveau vie, je sais qu'on est pas mal. Il faut juste qu'on perde pas de continu. Juste après cette. Jusqu'à cette zone. Il a pas envie de faire une pêche. Il a volé. Vas-y, vas-y, c'est pour toi. Donne-moi un rappel. Là, ça va être dur. Putain, putain, non! Laisse-les venir, parce que là, ils commencent vraiment à me faire mal. Tu le tapes pas! Mais je te mets où? Tu es à côté. Mon pauvre, si je te fais un peu toi, mon haricot. Moi, je reste un peu derrière, vas-y, tu t'en occupes, il faut que je préserve ma vie. Et si t'es en difficulté, j'arrive. Ils ramassent les porcs. Ouais, mais bon, moi j'ai perdu beaucoup de vie là. Vas-y, moi je vois rien, je suis dégueu. Ouh! Faut que tu me l'envoies en fait. Ça perd rien. Voilà, alors là il est cuit. Moi je peux pas taper à taille. Ça serait bien. Ah, ça serait trop simple. Alors là, un passage qui est bien fait, l'ascenseur, mais très difficile. Il est très difficile cet ascenseur. Il s'arrête. Parce qu'ils arrivent en masse. Ils arrivent en masse. D'abord deux, puis encore deux, puis après ils arrivent en nombre. Et avec la boule là qui est inévitable, ils sont invincibles. Mais ils peuvent pas sur l'écran, c'est ça que tu me trompes pas. Si, si, voilà, t'as vu. C'est dommage. Quand ils sont en boule, ils sont invincibles. Faut surtout pas qu'ils se mettent en boule. Là, il a failli faire la boule. Oh, il est cuit lui, et un autre peut-être. Oh non. Oh là là. Ah, tu vois, t'es en bord d'écran, tu t'es fait toucher. Peut-être d'autres. Oh non, pas eux. Ouais, j'ai perdu ma vie en un seul coup. Ils sont costauds. Hein. Putain, ils passent à travers. Est-ce qu'on arrive en haut, mais toujours pas? Je dois le ramener de ce côté là, vas-y, je m'en occupe. Bon, tant pis, il est mort. Il est mort! Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Ah, c'est bon. On est bientôt au boss là. Il faut surtout pas que je perde ma vie, sinon je perds mon continu. Ça va être compliqué. C'est de la vie, vas-y, de suite. C'est quoi ça? Ah, une vie. C'était à 2, t'es remonté à 3. Non! C'est quoi ça? Ah, c'est les comptons. C'est le clone. Putain, je me fais taper par le marteau. Je la défonce, moi. Ah, mais elle est nulle, elle est comme toi. Non, mais c'est comme toi, surtout. Non, mais elle est nulle. Regarde, je la démonte. Elle est très mauvaise. Oh, mais... C'est ça, elle est très mauvaise. Je me l'arrose. Fais gaffe parce qu'elle a des prises. Oh! Je la sèche. On l'a coincé.
pour la démonter. C'était un mec déguisé. Waouh! Ah, beaucoup mieux que la sorcière. Beaucoup mieux que la sorcière. On arrive à l'avant-dernière zone. Il reste un continue. Si je me trompe pas. Le palais des glaces. La grotte. Ah mon dieu! Non, c'est le millénaire d'argent. C'est même pas le palais des glaces. Là, c'est le château. Millénaire. Très compliqué, attention celui-là. Merde, j'ai aucune vie. Oh, t'es à 4, enfoiré. Vas-y, je donne tout, moi je vais devant. Ouais, là c'est toi qui... C'est moi qui mets une avance. C'est en première ligne. Moi je me contente de les repousser, c'est juste ça. Je prends aucun risque. Moi j'attaque. Vraiment aucun risque, moi je reste au milieu. S'ils doivent venir, ils doivent venir. Moi j'attaque. Parce que les bords d'écran, c'est vraiment chaud. Je t'escorte. Après, là quand ils arrivent par 1 encore, ça va. Ah, j'ai compris. Genre, je fais clac tac, j'arrête mon attaque, clac tac, j'arrête mon attaque. Comme ça, au moins, ça le tape pas dans l'écran. Regarde, genre comme ça. Cet enchaînement. Il faut bien regarder dans le décor, des fois, il y a des objets. Ouais. Il y a des objets à ramasser. Toi, mon pauvre. J'en vais. Fais gaffe, il y a du monde. Bon, un coup de latte. Je sais que dans ce niveau, il est possible qu'il y ait des objets à ramasser. L'objectif c'est me protéger. On peut pas le voir, vas-y prends. Ouais mais bon ça me servira. Ah c'est quoi? Je sais pas. Plus de force. Parce que ça m'a pas remonté de la vie. Il y a des colonnes devant. Qui c'est qui a créé ça, ça déconne. J'ai pas plus de puissance. J'étais obligé pour me sauver la vie. Pirate. Putain j'ai pas fait exprès. Là tu t'es fait bouffer. Je sais pas comment, parce que je vois pas le poteau. Des fois justement c'est derrière les poteaux qu'il peut y avoir des objets. Je m'en rappelle. Il faut bien appuyer sur le bouton dès qu'on est derrière l'objet. Descendre en haut et en bas aussi. Ouais. Hop. Parce que des fois c'est possible qu'il soit caché derrière. Ouais là il était derrière, il était bien caché. Dégage. Fais gaffe, te fais pas tuer pour rien. T'as beaucoup de vie, ne les gâche pas. Tu te fais tuer par une mire pareil? C'est pas en bordure. Tu vois? Mais eux, ils savent jouer. Vous savez la tactique qu'ils ont? Ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils reculent. Et dès qu'il est en dehors de l'écran, il attaque. Pas d'objet par là. Des fois entre les piliers là-haut. Oh putain! Bah j'étais obligé là aussi. Ouais, ils m'ont démonté à deux là, tu veux personne m'aider. Moi je vais bientôt perdre en continu si je me fais toucher. Vas-y, laisse-moi gérer. Je vais te sauter et te taper. Vas-y, tant pis. Ça perd aucune vie. C'est pas grave, c'est qui va toucher. Oh, je me suis fait toucher en l'air! Il me reste que 3 vies. Et pas plus. Pas une de plus. Alors là, il faut que j'en perde 0 jusqu'au boss. Ton dernier continue ? Ouais. T'es trollé toi aussi. Oui, mais bon, moi j'ai pas eu 2 vies en plus. Mais c'est tout. Moi, il m'a reste un continue encore. Ouais, mais t'as eu 2 vies en plus. 3 en continue. Pierre, tu finis le jeu tout seul. Hein. Ok. Car une fois que je suis mort, toi tu continues. Ouais, j'ai des morts. Je t'entends. Par contre, s'il y a un objet, reste. S'il y a un objet, c'est pour moi. Ouais, prends tout ce que tu veux. Ouais mais bon ça va rien me ramener. Si. Allez hop. Allez hop. Oh, putain je savais pas. Toi mon pauvre. Oui je me le tape, t'inquiète. Vas-y je te laisse. Oh, ce qu'il a pris. Allez, je te casse le dos. Il a bugué là, non? Ouais, je peux. On va pas rincer encore.
Mais ça lui fait rien. Touché. Oui. Je crois que c'était par là qu'il y avait normalement un objet dans le cadre. Je sais qu'il y a des items cachés, mais... Je me suis pas fait toucher depuis que j'ai perdu ma vie. Ouais, bon. Lui, il est coincé. Et il tape quand il est en l'air. Quand je suis en l'air. T'as pas bon. Bah non, alors là, là. Je suis mort. Ah, j'ai vraiment fait le con là. Ah, toi, il reste un continu, mais après ça. Ok, serein. Ah, t'es con. Laisse-les venir, laisse-les venir. C'est cheat. De plein. Il est cuit. Niveau suivant. Dur, dur là. On était mort ici. Et toi, il te reste un continu et moi 3 vies. T'as pris une vie, t'as pris de l'énergie. Fais gaffe, ce niveau est très très chaud. On le ressent à la musique. C'est vrai, parce que ça bouge. Je suis mort déjà. Allez, ça commence. Oui, mais ils ont taqué de puissance. Pour rester en haut. Ils sont un peu cheatés là, les ennemis. Je te laisse passer dans la première ligne. Moi je peux pas. Je prends rien. Laisse-moi pas tranquille. Je peux pas de mort. Moi je me réserve. Laisse-moi. Je réserve un petit peu ma vie pour le boss. Laisse-moi, toi défends-toi. Fais comme si t'attaques les personnes, tu sais pas de mort. Un peu le cas. Après, il se dirige vers, automatiquement vers moi, c'est cheaté ça. C'est vraiment cheaté, je trouve. Ouais. Alors là, pour l'instant, on a... il nous reste encore deux niveaux. Et un niveau, je crois. Je prends là. Ah, vas-y. Ça devient compliqué. Là, on se débrouille plutôt bien, on est sur une bonne série. Mais après, quand ils arrivent à plusieurs. Je laisse passer le vin. Et on avance pratiquement pas. Oh mon pauvre. Ils sont nombreux. Ils sont petites. Ils ont perdu leurs dentiers. Je m'attaque. En fait, c'est eux les pires. Les marteaux ? Non, c'est eux là, les simples. Les dégueulasses. Ah, ils sont pas mal ici. Les marteaux qui t'attrapent. Eux, ils sont mauvais, c'est eux là. Ouais, je me souviens que c'était tranquille. J'ai la technique, on saute, on met le pied. Regarde le boule, regarde. Ah ouais, mais il fait la boule hein. Je me barre du coin là. Pas laisser le temps de se relever. Voilà. Pareil. Oh non. Une rose. Fais gaffe, fais gaffe. Allez. Tu vas revenir à mon niveau là. T'as vu toute la vie qu'elle a? C'est pas comme ça que tu vas l'avoir. Faut la choper à deux là. Mais t'inquiète. Voilà, ça c'est l'enchaînement. Deux coups, un coup de tête. Voilà, là, elle est cuite. Parce que le boss de ce niveau, on n'était même pas arrivé. On était mort par là à peu près.
toi il te reste encore un continu. Donc on est quand même mieux avancé que la dernière fois. Mais il se méfie. Fais gaffe frère, je me fais tuer, tu m'aides pas. Il se fait démonter par lui. Mais non mais tu m'aides pas, c'est les gars, faut les choper à deux. Il se fait démonter par lui, mais moi j'y vais parce que je t'inquiète quand même. J'avais perdu toute la vie. Il a lui aussi. Hop là. Donc tu perds aucune aussi. Tu veux l'écouter? Allez. Tu veux l'écouter? Tu veux l'écouter? Moi je te laisse faire hein. En fait toi tu peux les retenir et moi les taper quoi. Celui-ci, vas-y je le tiens. Ah mais moi il faut vraiment pas que je perde de vie. Hein. Parce qu'il me reste un peu qu'une vie et vraiment qu'une vie. Oui t'en restes 4 en fait là. Ouais, ou au moins un gâteau quoi, ça me remonte à fond. Je suis chaud. Oh oui. Vas-y barbare. Ah. Ça m'a fait peur là. On enchaîne. Dur là. Ils étaient vraiment nombreux. Putain! Les épaules, on essaie de les lever petit à petit. Pour les images sont bien. Bon, tu fais trop boulot. Ah oui, ils attaquent là. Je suis mort. Oh, c'est honteux là. Cette pute là. Ouais. Là c'est vraiment les derniers vies qui nous restent. Toi 3 et moi 2. 5 vies à 2. C'est impressionnant quand on tape à 2 la vie que ça perd. C'est peut-être le boss là, parce que les tapis sont arrêtés. Tapis roulant. Non, c'est toujours pas le boss. Là on va essayer de garder cette vie. Bouffe-le. Je me coupe derrière. Si tu vois que tu te fais toucher, tu sautes et tu mets le pied. Ça les repousse. Voilà. Ça va, me choper, ça me tire vers l'écran. Calculé, c'est fait exprès. Il t'a touché quand même. Putain, ils sont combien ça? Vas-y, il se relève, il est mort. Voilà. Un objet peut-être. Allez! Oh non! Voilà, Frey! Oh, il est cheaté! Faut vraiment le foutre à terre. Oh putain! On a même pas réussi à le toucher encore. Oh, il a volé. Dur. Il a ni que le pied. Fais gaffe, s'il fait ses trucs de glace là, c'est vraiment cheaté. On va jamais passer ce niveau, je peux le signaler. Okay, mais pourquoi tu le tapes pas? Au pied. Je suis mort. Je suis bientôt mort. Tape-le, bouffe-le. Toute la vie qu'il a perdu, je suis mort. Il me reste plus qu'une vie. Il est cheat. Il faut se mettre sur la ligne du bas. Il y a les marteaux là aussi. Je suis mort. Il est cheaté ou quoi? Après, il avance aussi vite. Ah, il m'allume. Après, on lui tape dessus, ça touche même pas. Vas-y, décale. Oh non, okay.
Fais gaffe, parce que quand il fait ces trucs là, c'est vraiment cheaté. J'étais à côté, pas lui. T'as même pas le temps de te relever. On le démonte. Tu vois, il te reste 2 vies, moi plus que 0. Si je meurs là, je suis vraiment mort. J'ai plus rien. Vas-y, c'est vraiment à toi de t'en occuper. Y'a moyen, y'a moyen. Putain! Heureusement que j'ai fait ça. Mais il est trop fort. Donc, je vais péter il les reste plus beaucoup de vie. Donc je vais péter les plans. Non ouais, il est vraiment shit. Je repars les vies, moi. Il est mort. Il est mort. Oh putain, le moine. Ce moine, quoi. Même il est genre tu touches à côté de lui. Ça peut... Il était trop dur. Et j'étais prêt d'avoir game over. Heureusement que ça va remonter ma vie à fond. Dernière zone. Il reste une zone entière, hein. T'es fou, t'es ouf, on finira jamais le jeu. Avec un peu de détermination et quelques vies sur le passage. Royaume des ombres. La grotte. La fameuse grotte. Est-ce que tu crois que c'est la grotte? Mais non, mais c'est un truc super bizarre, tu vois rien, il y a des trucs partout dedans. C'est ça! Oh non! Je vais crever! C'est pétage de pompe, parce que ce niveau-là, c'est vraiment. C'est grave. Moi, j'ai juste envie de finir le jeu. C'est une grotte. Ah ouais, pour voir le boss final quoi. Vu le boss qu'on vient d'avoir tout à l'heure, il était tout de même bien cheaté. Là il va falloir jouer, être très patient, franchement patient. Et surtout, dès s'il y a une vie, faut plus carré partout derrière les colonnes. C'est, elle est pour moi la vie. Hein. Je suis caché. Ah mais en fait tu peux pas les enchaîner. Oh là, je le bute même pas. Ah mais ils sont trop nombreux. C'est la musique qui fait peur. Si on peut appeler ça une musique. Voilà, faut les choper à deux. Là il te mettait un coup de perdre le quart de la ligne. Bleu. Ouh. Merci. Prends-le. Ouf. M'esquive. Vas-y, on laisse pas se relever. Allume. Voilà. Eh, il est mort avec la boule. Une chiffre. Oh non! Obligé. Pas mal. Ah ouais, il me reste que la moitié de la vie pour aller au boss final quand même. Gentil. Tu tapes dans le vide. Ils ont pas de vie, il faut les deux. Ah, tu tapes dans le vide? Non, bien sûr. Bon truc. Ah, le roulé il est pour moi. Il est pour moi le bras de Vénus. Vite, vite. Putain, je me refais toucher juste derrière. Non, je peux rien faire, je peux rien faire. Fais avec les pieds, tu te prends en place. Fais avec les pieds. Non, mais regarde comment ils sont. T'es obligé de te faire toucher. Non, t'es obligé de sauter, moi je fais ce que je fais. Quand je t'ai pied, je fais comme ça. Ah, mais ils sont vraiment trop nombreux. Et des fois, tu te fais toucher quand t'es en l'air aussi. Tout dépend du timing, si tu sais bien faire. Je suis pas sûr, si on y va à la bourrange. Oh, enculé! Ma vie? Ouais, on fait pas la main. Eh! Il m'a apparu dessus! Au moment où il a apparu, ça m'a perdu la vie. Tranquille, et... tranquille. Faut pas y aller à la bourgogne, c'est la tête, sinon elle était mort. Laisse-moi attaquer. Laisse-moi attaquer et mets-toi derrière au fond. Ah, mais ils arrivent par derrière aussi. Ouais, pour l'instant, non. Sinon, t'es mort, toi, moi je finis pas juste seul. Laisse-moi attaquer. C'est toi de te cacher. Tu fais que le pied, tu mais non, regarde combien ils sont. Non. Oh, il y a un lutin. Ils sont deux. Je sais pas combien ils sont, mais il y a un lutin. Oh oui, il y a un truc là. Vas-y. Oh oui, yes. C'est une balle avec une... Ah, il faut vraiment allumer là. Je reviens derrière.
J'arrive, là, je le saurai plus trois fois pas, je reviens derrière. J'arrive, lui je le défonce. Ok, les enchaîne. Putain, ils sont 10 000. Je fais la boue. Je le démonte. J'ai fait un truc là. Ouais, elle est même pas morte. Mais comment ça peut être un méchant le jeu? C'est pas. Allez, dégage. Vas-y, on l'allume. Il se relève pas. Ouais, il tape dans le vide. Voilà, faut pas taper dans le vide. Allumez comme ça. Ça perd toute la vie direct. Je me demande bien quel sera le boss parce que moi j'y suis jamais arrivé ici. Moi je m'en rappelle. Je sais que c'est un prince et une reine, ou je sais pas quoi. C'est sur un carrelage, je sais pas quoi. Là, c'est pas dans la grotte en tout cas. Non, non, c'est pas dans la grotte. Tu montes dans un niveau qu'un carrelage, tu vois le boss en fond. Et une fois que t'as tué tous les petits méchants là, genre c'est des vagues. Que voilà. des petits, que de comme ça. Fais gaffe, fais gaffe. Une fois que t'as tout fait, eh ben, t'as le mec qui s'est voulu. Et t'es dans le vide. Voilà. Pareil lui. Voilà. On s'en sort plutôt pas mal. Ouh. Mon dieu. C'est voilà, bon. C'est la fin. La musique est énorme. Elle est épique. C'est des vagues. Je te rappelle. Dès qu'on a fini la vague, la reine qui est derrière, elle se lève et elle pète un câble. De tuer tous les petits boss, un par un, race par race. Ça, on va utiliser le pied. Y'a pas un objet là? Ah, y'avait un objet caché? Au pied de la princesse. Je crois que c'était. Laisse-moi m'en occuper. Okay. Vas-y, on les bouffe comme ça. Regarde, ils sont coincés à l'écran. Allez, renvoie des copains là, boum. Oh non, putain, ils sont dorés! Mais poutine! C'est quand même bien. Ah oh putain, ouais! Oh là là! Waouh! Ah, il est costaud le type! Hein. Il faut que je le soumette dans ses attaques et gérer les mouvements. Très bien, il va perdre beaucoup de vie. Hein. Vas-y, ouais, faut les coincer là. Et là, vas-y, viens. Dès qu'il se lève, on fait ça. Vas-y. Non, juste fais ça. Juste tape. J'ai fait un truc de... Voilà, juste comme ça. Vas-y, fais ça. Tac. Voilà. Après, on fait ça tout le temps. On les envoie dans un coin, on les bute. Vas-y, moi je l'envoie de l'autre côté. Merde, tu l'as. J'ai entendu quoi, ça? Non, mais moi derrière ça bloque pas. Hop. On va le suivre un peu. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça, on a trouvé. On a trouvé une petite technique. Le chevalier. C'est qui celui-là? C'est son mari. Ouh, oh, c'est bon, il fait pas peur à Ken là, c'est bon. Allé... Putain, attends, t'as vu qu'il met des coups d'épée? Je suis mort. Il met des coups d'épée là, en forêt. Il reste plus qu'une vie. Il se protège. Fais gaffe, barre-toi, il va sauter. Ouais! Oh non! Je suis mort! J'ai un continue! Il m'en restait un! Moi aussi. Oh putain! Même avec un continu, c'est pas sûr parce qu'il reste lui et il reste la sorcière. Peut-être qu'on a un continu gagnant. Mais non, c'est trop continu. J'ai appuyé deux fois sur continu. Ouais, peut-être qu'on gagne un continu quand on arrive au dernier niveau. Mais je sais pas, je croyais, hein, j'ai peut-être mal calculé. Mais vas-y, c'est moi qui ramasse tout à cause de toi. Là. Mais non, mais il se protège. Allez, bouffe, fais gaffe. Il va sauter à chaque fois qu'il saute. Même quand il fait ça, regarde, il a l'épée en avant, on peut rien faire. C'est lâche, le mari. Voilà, après il y a la femme qui arrive. Putain, il m'a mis un coup d'épée. Oh, il est mort!
Il est mort. Elle s'est énervée. Oh, enculé. Elle est vraiment. Elle est vraiment. Elle est vraiment puissante. Regarde. C'est bon, je suis mort. Elle met des. Continue. T'en as encore un, toi, c'est bon. Regarde les coups d'éclair qu'elle met. Elle m'a tué déjà. Bon, je te dis juste de faire gaffe, ça lui perd aucune vie, là, ce que tu fais. C'est vraiment une salope. Il peut lui perdre la vie comment déjà? Il y a peut-être une technique parce que là on est en train de la taper pour rien quoi. Faut tuer ces petits points là je pense. Waouh! Ah ça y est, ça commence à perdre la vie. Mon dieu, c'est pas sûr que j'y arrive. Parce que moi j'ai. Il reste que deux vies, fait une et demie. Waouh! Faut éviter, faut laisser attaquer et toi attaquer après. Je suis mort, il me reste qu'une vie et j'ai game over. Moi aussi je suis mort. Elle est chaude hein. Allez dégage. Fais gaffe, elle va arriver à fond. Comment elle fait là? Quand elle attaque, faut se passer. Je lui ai pété le dos mais il reste beaucoup de vie encore. Putain, après elle est vers moi. J'étais obligé de faire ça. Vite. Mais t'as, j'étais en haut, sans déconner, qu'est-ce que tu veux que j'arrête ça? Elle fait tout le temps pareil en fait. Ça, elle fait un coup d'éclair et un coup la ronde autour. Oh, là pour l'instant, fais rien. Oh putain. C'est eux là, tu veux du pain? Là, elle va faire la ronde autour. Il m'en reste une, je suis mort, on est mort. Et, il lui reste plus beaucoup de vie hein. On peut le faire, il faut juste que je meure pas moi. Bon, attends. Il me reste plus beaucoup là. J'ai pas trop. Va l'attaquer, fous la terre. On la démonte. Chope là. Je suis mort, il reste plus que toi pour finir le jeu. Il te reste la moitié de la vie, lui il reste 3 quarts de vie. Oh putain, ça va être dur, ça va être chaud, il reste moitié là. C'est moitié contre moitié, je te dis pas l'attention. Non. Bute-la, chope. J'ai peur. J'ai craint le pire. Oh non, oui, vas-y. On a deux doigts. Il nous a deux doigts de finir le jeu. Un pixel de vie. Un pixel de vie de part et d'autre. J'ai peur la pluie. Elle arrive. T'es mort. T'as perdu. Le jeu est terminé. Game over. Il lui reste derrière, c'est pas croyable. C'est le coup de tonnerre. Oh non. Oh. Oh la chalope. Oh non. C'est incroyable. On n'a pas fini Sailor Moon. Bon, on sera allé plus loin que la dernière fois. Mais on n'a pas fini Sailor Moon. Une honte. La sorcière nous a baisé. Faut le dire comme ça. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez qu'on batte la sorcière, il suffit de laisser un commentaire. Et on va essayer de faire tout notre possible. Pour lui mettre les éclairs dans le cul, voilà. On vous dit à très bientôt, salut tout le monde. Salut à tous.